Terre de France, un parfum au service de notre pays. En vente sur la boutique de TV Liberté. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de politique et économie. Et aujourd'hui, un plateau un peu enrichi pour un débat. Alors nous allons faire un débat sur la question de l'Iran, mais aussi liée à la question iranienne, le nucléaire, bien sûr, la géopolitique du Proche-Orient, et bien sûr, un personnage dont il faut traiter, c'est évidemment Monsieur Trump, président des États-Unis. Pour ce débat, Georges Clément, à ma gauche. Georges Clément, bonjour. Que nos téléspectateurs connaissent bien, il est chef d'entreprise, il est essayiste, mais il a écrit des essais politiques, mais il écrit aussi de la poésie et des romans. Et puis, il appartient à cette catégorie de Français, pieds noirs, qui ont quitté une petite patrie d'outre-Méditerranée. Et Georges Clément sera ici plutôt pour défendre le point de vue de Trump, puisqu'il est président du comité Trump France. Exact. Bienvenue, cher Georges Clément. Merci. Pour débattre avec vous, Philippe Simonneau. Philippe Simonneau aussi, que nos téléspectateurs connaissent bien, puisqu'il fut mon invité à de nombreuses reprises, comme Georges Clément. Il est économiste, il a été journaliste au Monde, puis dans d'autres publications, il a été professeur, et il a écrit de nombreux livres, dont quelques-uns furent l'objet de cette émission, notamment le très beau livre, Philippe Simonneau, que vous avez écrit sur le siècle Balfour, qui est votre dernier livre, non, avant-dernier, puisque depuis, vous avez réédité, mais avec 10 articles de plus, les leçons d'économie. Donc, vous êtes économiste, et dans le livre sur le siècle Balfour, vous êtes plutôt favorable à l'arme nucléaire au bénéfice de l'Iran, alors que Georges Clément considère que c'est là un danger très important. Alors, avec Pierre, qui va poser la première question. Bonjour Pierre. Nous allons essayer de voir plus clair dans cette affaire qui, il faut bien le dire, est bien compliquée. Alors Pierre, votre première question. Alors vous venez de le dire, cher Olivier, c'est bien la question du nucléaire qui est centrale dans cette escalade de violence entre d'un côté les États-Unis, de l'autre l'Iran. Tout a commencé en mai 2018 lorsque le président des États-Unis, Donald Trump, s'est retiré de l'accord de Vienne qui avait été signé en 2015 sous l'ère Obama avec les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne et bien sûr l'Iran, un texte qui prévoyait que la levée des sanctions économiques internationales contre l'Iran en échange du fait que les Iraniens pourraient enrichir, en tout cas relancer leur programme nucléaire d'un point de vue civil et non pas militaire. À l'époque de son retrait, Donald Trump avait alors qualifié cet accord de Vienne de désastreux. Georges Clément, pourquoi l'avait-il qualifié ainsi ? D'abord, ça faisait partie de son programme électoral, je rappelle. Parce que Trump, enfin les États-Unis, et Trump en particulier, étaient alliés à Israël, que Israël a toujours dit que cet accord signé par Obama, ce qui n'est pas neutre d'ailleurs, était désastreux parce que, en effet, personne ne croit une seconde que l'Iran va se servir de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Voilà. – Pourtant… pourtant – je dis ce qui se disait. – Oui, oui, bien sûr. Et pourtant, l'AIEA avait quand même avait planifié un plan un plan de contrôle des installations iraniennes des plus draconiens et, auquel l'Iran s'était soumis. – Oui, mais attendez, le mot draconien, moi je sais
Peut-être, pourquoi pas, mais j'en sais rien. Vous savez, en ce moment, la Chine prend des mesures draconiennes contre le coronavirus. Oui. La Chine a toujours eu, comme l'URSS, des chiffres extraordinaires en matière de plans et de... Bon, enfin, l'Iran, c'est la même chose. D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de l'Iran, je dis franchement, à se plier au nucléaire civil. Car l'intérêt des mollahs, et je dis bien des mollahs, hein, parce que moi j'ai beaucoup d'amis iraniens, je suis un grand ami du mémorial des rois, etc. Et donc je n'ai pas de problème avec les Iraniens. Hein. Mais j'en ai avec les mollahs, ça c'est sûr. Et l'intérêt des mollahs, c'est d'avoir l'arme nucléaire, c'est clair. Alors Philippe Simonneau, dans un article récent, dit ceci, que pour l'équilibre géopolitique de la région, l'Iran a droit à la force nucléaire. Alors, pourquoi cela? Israël a la force nucléaire aussi. Israël a la force nucléaire, vous dites? Je le dis, oui. Mais comment le savez-vous? Je le sais, notamment par vous, mon cher, mais parce que nous savons qu'à Dimona, vous nous avez, sur ce même plateau, compté combien, ce fameux dîner de Sèvres avec Guy Mollet, et je crois, autant que je me souviens, c'était le ministre des Affaires étrangères, Christian Pinault, qui avait conclu un accord de construction de la force nucléaire israélienne. Mais la spécificité, mais c'est vous qui allez le dire, c'est que c'est une force privée, car elle n'a pas apparu dans les comptes budgétaires officiels d'Israël, n'est-ce pas? Oui, c'est bien mais ça. Je voudrais revenir à la question. Alors, est-ce que Trump a eu raison de renier la signature des États-Unis? Parce que c'est bien ça. Les États-Unis avaient signé cet accord qui avait été élaboré avec beaucoup de difficultés. En effet, oui. Par la France, la Russie. Le Conseil de sécurité plus un. Voilà. L'Angleterre, l'Allemagne. Enfin, c'était une sorte de miracle diplomatique pour lequel M. Fabius, on doit lui rendre hommage, avait très bien œuvré. Et donc, il avait réussi à faire en sorte que l'Iran renonce à l'arme nucléaire, pour le dire simplement, en échange d'une levée de sanctions économiques qui frappait l'économie iranienne depuis plusieurs années. Bon. Trump, ça vient d'être dit, a renié cette signature pour faire plaisir à son grand ami Netanyahou, premier ministre d'Israël. Bon. Mais je dirais beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est-à-dire que non seulement Trump a comme obsession de détruire tout ce qu'avait fait Obama avant lui, ce qui est le petit côté du personnage, mais deuxièmement, il est à la remorque de son principal socle électoral, qui est, ce sont les évangélistes. Voilà. Alors justement, pourquoi, expliquez-nous un petit peu, Philippe Simonneau, pourquoi Israël compte autant pour cet électorat, les évangélistes américains? Alors c'est une très vieille histoire. Il faut remonter très très haut, très loin dans l'histoire. Mais je dirais que toute l'histoire du sionisme, en fait, parce que Israël est le produit du sionisme, est l'enfant du sionisme, personne ne peut le nier. Toute l'histoire du sionisme ne peut se comprendre que si on le remonte à ce que j'ai appelé le sionisme chrétien, qui est une forme de l'évangélisme. C'est-à-dire que le fameux slogan, par exemple, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais je donnerai un seul exemple. Le slogan « Une terre sans peuple », pour un peuple sans terre, qui est le slogan qui apparaît, le sionisme par excellence, qui a été répété des milliers de fois par les plus hauts instants d'Israël. Ce slogan est d'origine chrétienne. Il a été lancé la première fois en 1853-54 par Lord Shaftesbury, qui est un protestant de haute tenue, un philanthrope, et qui se préoccupait, comme beaucoup d'Anglais philosémites d'ailleurs de l'époque, du sort des Juifs et considérait qu'il avait trouvé une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Voilà. Alors qu'évidemment, cette terre n'était pas sans peuple. Voilà. Alors, le lobby, le principal soutien aujourd'hui d'Israël aux États-Unis... – Ce sont les évangéliques. – Ce sont les évangéliques. Qui sont... Alors, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi ces gens... – Est-ce que les Juifs eux-mêmes sont plutôt démocrates ?– Les Juifs sont plutôt démocrates. Ils sont horrifiés. Les Juifs américains, qui sont beaucoup à gauche, sont horrifiés par la politique de Netanyahou. Le problème du sionisme chrétien, il faut le dire en deux mots, là aussi, ce sont des fous de Dieu, entre guillemets. C'est-à-dire que ces gens sont persuadés que pour accélérer le second coming of Jesus. Voilà, vous l'avez très bien dit, le retour de Jésus. C'est pour ça,
il faut que rassembler tous les juifs et les envoyer en Palestine. En Palestine. Excusez-moi. En Israël, vous voulez bon, dire. Bon, si vous voulez. Alors, ben je veux. Et donc, pour ça, la déclaration Balfour, si on en parle, on va en parler peut-être, est issue de ça, etc. Donc, le principal soutien aujourd'hui d'Israël, tel qu'il est, ce sont les évangélistes. J'ajoute, si vous permettez, c'est que le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem était dans le programme de ces mêmes évangélistes. Oui, voilà. En effet. Mais, alors, Georges Raymond. Oui, alors, de toute façon, je ne vais pas contredire ce que dit Philippe Simoneau, sauf que moi, ça me réjouit. Donc, ce qu'il craint, je le désire, et ce que je désire, il le craint. Donc, à partir de là, il n'y a pas de débat, il y a une opposition. Si, parce qu'il faut, y a pas de débat. Avons des téléspectateurs qui doivent être éclairés sur la question. C'est surtout ça qui m'importe. Pour moi, le sionisme, en tant que nationaliste français, oui. C'est ce qu'il faut pour la France. C'est du nationalisme. Point. Deuxièmement, Bonaparte, ça ne vous a pas échappé, a fait une campagne là-bas. Et il a prévu l'installation des Juifs et la réinstallation des Juifs en Israël, enfin en Palestine, donc effectivement à l'époque. Et donc c'est une idée occidentale qui n'est pas récente et qui paraît tout à fait raisonnable. Ensuite, quant à Trump, il a renié l'accord avec l'Iran, mais l'accord avec l'Iran est un accord. Comment disait l'autre scélérat. C'est l'accord d'Obama qui est un scélérat, avec sa clique démocrate qui est des forbans qui font des coups d'État. Obama d'ailleurs, et nous en avons la preuve par un prof d'Harvard hier, a travaillé avec Soros à la mise en place d'écoute et de surveillance pendant les campagnes. Tout cela sont des ennemis profonds. Et ce n'est pas le jeune pied noir qui va dire que la cavalcade de Moshe Dayan ne nous a pas emplis de joie à l'époque où elle a eu lieu. Parce que. En 67. Non, 57. Vous parlez. La première, 56, pardon. Pas 56. 56. Enfin, c'est la deuxième. C'est l'opération de Suez. Suez. Donc, je n'ai pas à débattre. Tout cela, c'est ma vie. Je pense qu'Israël est une bonne chose pour l'Occident, car c'est un coin dans un monde qui nous est profondément hostile. Et je ne parle pas de l'Iran, parce que l'Iran est un cas particulier là-dedans. Il faudrait y revenir. Où on a mis le Shah et tout ce qui était moderne dehors pour y mettre des obscurantistes. Donc, la question de l'Iran n'est pas une question arabe. Qui les a mis, justement, les ayatollahs? Jimmy Carter et Valéry Giscard d'Estaing, entre autres. Nous allons faire une pause. Donc voilà. Si permettez, sur le problème de l'arme nucléaire. J'ai pas d'équilibre géopolitique à obtenir. Pourquoi est-ce que, si je veux un équilibre géopolitique, il faut que je donne à un ennemi une arme nucléaire pour qu'il soit égal, mon égal? C'est une plaisanterie sur le plan du raisonnement stratégique. Voilà. Sauf que nous avons vu que l'équilibre de la terreur avait eu des effets relativement pacifiants dans la période de la guerre froide. Entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'est Philippe Simoneau qui, après la première pause, va répondre à cette question de l'équilibre géopolitique et de la force nucléaire donnée à l'Iran, qui sera d'ailleurs sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie. De l'ONU. Autant dire, parler du GIEC, vous voulez qu'on en parle? Mais l'ONU est un machin depuis pas mal d'années. Et ça reste un machin. Alors, nous allons donner la parole après la pause à Philippe Simoneau pour vous répondre. Alors, chers téléspectateurs, en compagnie de Pierre, nous allons continuer d'interroger nos invités
Et l'Inde, le Pakistan se sont dotés, Philippe Simoneau, de la force nucléaire. Ça a posé moins de problèmes que pour l'Iran. Comment se fait-il ? Pourtant, le Pakistan, on a dit à l'époque, c'était une bombe musulmane. En effet. Et le Pakistan sunnite pourrait s'allier, par exemple, à l'Arabie saoudite. Non, le mérite de cet accord, c'était quand même celui qui a rompu. On ne va pas faire avancer le problème, d'ailleurs, en traitant les gens de scélérats et de bandits, comme vous l'avez fait. Oui, si vous voulez, mais ça n'avance pas la compréhension. Voilà, il faut comprendre ce qui se passe. C'est ce qui est le plus important. Donc, je reviens à cet accord. Il avait cet immense mérite, c'est de faire en sorte que l'Iran renonce à son droit au nucléaire. Je répète que l'Iran a droit au nucléaire et je vais développer pourquoi. Il s'est trouvé que notre pays, d'ailleurs, a été impliqué dans ce déséquilibre géostratégique fondamental qui règne actuellement au Proche-Orient. C'est la fameuse affaire de Suez. À ce moment-là, parce que Ben Gurion ne voulait pas rentrer dans ce scénario absurde, on ne va pas répéter l'histoire, mais enfin, en deux mots, il était convenu que les Israéliens allaient attaquer l'Égypte et que pour séparer les combattants, les Franco-Britanniques se mettraient entre les deux, en go-between, etc. Tout ça ne tenait pas la route. Ben-Gurion était très réticent, mais pour le convaincre, la France s'est engagée à aider Israël à avoir l'arme nucléaire. Voilà. C'est pour moi le péché originel de la France dans cette affaire. Et ensuite, les Américains. Il faut voir qu'à l'époque, il y avait un accord tripartite entre l'Angleterre, la France et les États-Unis pour faire qu'il y ait balance d'armement entre les deux camps, entre Israël et les pays arabes. Et que cet accord était strictement respecté par ces trois puissances. Bon. Donc la France, sans en rien dire à l'Angleterre, en sous-main au moment de ce fameux souper de Sèvres dans la banlieue, dîner de Sèvres, oui. Complètement clandestin, n'est-ce pas ? Ben Gurion était là, Moshe Dayan était là, Pinault était là, etc. On décidait de faire ce geste d'accorder la bombe à Israël. Mais tout ça est resté totalement secret. Oui. C'était même le secret dans le secret, parce que même la réunion de Sèvres était secrète. Et ce secret dans le secret a donc permis à Israël d'avoir la bombe, sans jamais le reconnaître, parce à tel point que... – C'est une bombe privée, dites-vous. – Voilà, je dis que c'est une bombe privée parce qu'elle a été financée, non pas par l'État israélien, puisque ça devait rester clandestin, mais par la diaspora. – Puisque son coût n'apparaissait pas dans le budget annuel israélien. – Donc, je continue, cette bombe est donc unique dans son genre, elle n'est pas reconnue par l'État propriétaire, donc elle n'est pas soumise à l'autorité internationale, et deuxièmement, elle est privée. On n'a jamais vu ça. C'est comme si un gang s'était approprié de l'arme nucléaire. Bon. – Enfin, elle est localisée à Dimona. – Ah non, parce que maintenant, il y a des sous-marins. – Alors, il y a les sous-marins. – Il y a des sous-marins, et d'ailleurs, donnés aussi, entre guillemets, ou livrés par l'Allemagne, qui sont d'origine allemande. – Ah oui. – Bon. Alors, là-dessus, donc vous avez un énorme déséquilibre géostratégique dans cette zone qui est insupportable, qui permet à Israël de franchir toutes les lois, toutes les réglementations, toutes les normes pour imposer sa loi, notamment dans les territoires occupés, contre toute légalité internationale. Bon. Et j'ajoute que dans ces conditions, il est tout à fait légitime pour un autre État dans la région de s'armer, d'avoir l'arme nucléaire, à tel point que d'ailleurs que nous-mêmes, pour compenser en quelque sorte cette faute que nous avons commise... – La culpabilité du dîner de Sèvres. – Qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé d'armer l'Irak. – Bien sûr. – Chirac. – Oui, oui, aux Iraks. – Aux Iraks. – Qui a été bombardé par l'aviation qui israélienne. – Qui a été immédiatement éliminé par l'aviation israélienne. Puis en Syrie, mais ce n'était pas nous cette fois, je crois que c'était les Nord-Coréens. Enfin, de toute façon, à chaque fois qu'il y avait la moindre velléité de rééquilibrage stratégique dans ce pays, ça a été éliminé par Israël. Évidemment, Israël est contre l'accord parce que ça ne peut pas le convenir. Il ne peut pas supporter la moindre idée qu'il y ait en face de lui une puissance nucléaire. Alors, Georges Clément va répondre. Oui. Alors,
Je ne veux pas répondre, je suis d'accord. Et c'est normal pour moi, il est normal qu'Israël n'ait pas envie de voir un Iran ou un autre pays hostile, bien sûr, ouais, parce que je rappelle quand même les tirades d'Ahmadinejad pendant des années, etc. Parce qu'on a l'impression que l'Iran nouveau, hein, pour moi il est toujours nouveau depuis 1978, que cet Iran-là est un lac de paix et de... – Alors justement, Georges Clément, ça sera peut-être l'objet de ma prochaine question. Bon. Au-delà de son retrait de cet accord de Vienne, en mai 2018, Donald Trump a également rétabli les sanctions quelques mois plus tard, en août 2018. Pourquoi, au fond, Donald Trump souhaite-t-il vraiment étrangler économiquement l'Iran ? Parce qu'on voit que la baisse des barils a drastiquement été réduite et la croissance pour l'Iran en 2020 est estimée à 0%. Donc pourquoi Trump souhaite-t-il étrangler l'Iran Moi, je crois que… – Économiquement, je crois, pour l'instant. – Je ne suis pas dans les secrets du département d'État. Mais ce que je pense sérieusement, c'est que Trump essaye de faire tomber les mollahs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et sans aller sur le terrain, sans engager une guerre. Alors, je suis sûr, c'est qu'en ce qui le concerne, il n'a aucune envie ni intérêt à aller sur le terrain. Et que d'autre part, pour deux raisons, d'abord parce qu'il a décidé dans son plan de campagne qu'il n'enverrait plus ou le minimum de soldats à l'extérieur et qu'il se bat déjà avec son Pentagone et surtout avec son établissement pour rapatrier ceux de Syrie. On a vu la difficulté qu'il a eue. 4000 soldats américains tués déjà depuis 2003. Au même moment, accusés de trahison dans les journaux américains et ce qui a donné d'ailleurs une matière qui a été abandonnée très vite pour le fameux impeachment, passons, et surtout d'Afghanistan où il a été obligé d'accepter auprès de certains généraux une rallonge de temps. – Excusez-moi, le principal résultat de la renonciation, de la déchirure de l'accord par Trump, c'est que l'Iran recommence à essayer d'avoir l'arme nucléaire. – Oui, mais l'aura pas. – Il est libéré. – L'aura pas. – Excusez-moi. – Elle ne l'aura pas. Attendez, Trump a tout perdu. Pour l'instant, il gagne. Alors arrêtez de dire qu'il a tout perdu. – Mais du coup, en éliminant ce général, change de sujet, là. – Attendez, parce qu'on parlait tout à l'heure des sanctions, c'est à ça que je répondais. – Revenons à l'Iran. – Et maintenant, vous parlez de Soleimani. – Cela étant, les sanctions économiques contre l'Iran… C'est attesté par tous ceux qui sont allés là-bas. Il y a une résilience extraordinaire du peuple iranien. Il n'est pas sûr du tout que ça conduise à une certaine efficacité. – Ça, je suis d'accord. Ça, c'est un autre problème. Mais il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer. En tout cas… – Mais je ne vois pas, excusez-moi, je ne vois pas pourquoi vous accordez le droit à Israël d'avoir une bombe qui n'est pas reconnue d'ailleurs, qui est clandestine, et pourquoi vous ne l'accordez pas à d'autres pays ?– Ah bah pas à d'autres, pourquoi ?– Attendez. Pourquoi ?– D'abord, je n'ai pas dit à d'autres pays avec un S. – Bon, à l'Iran alors. – On parle de l'Iran. – Alors, vous l'avez accordé à l'Irak, à la Syrie ?– Non. – Alors, pourquoi ?– Non, mais l'Irak, le problème ne se pose plus. – Non, mais pourquoi l'Iran ?– Parce qu'on accorde l'arme nucléaire à ses amis et pas à ses ennemis. – Il ne s'agit pas d'aminer. – Ah, attendez, vous permettez qu'on voit encore la vie comme ça ? Si ce n'est pas la vôtre, c'est la mienne. – Je ne me place pas sur ce plan-là. – Et moi si, alors on ne se place pas sur le même plan, c'est ce que je dis. – Mais c'est pour ça que vous êtes convié sur ce plateau. – Je suis désolé, je n'ai aucune aménité, non pas pour l'Iran, je le répète, mais je n'attends qu'une chose, c'est qu'enfin les mollahs, qui sont des sanguinaires, soient détruits par le peuple iranien, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. – Georges Clément, dans son article, Philippe Simoneau nous dit ceci. Vous allez comprendre qu'il n'aime pas non plus le régime des mollahs. Il ne s'agit pas ici de prendre la défense du régime iranien, dit-il, je me permets de vous citer, dont l'incurie chronique vient d'apparaître tragiquement aux yeux du monde entier à l'occasion… Il ne s'agit pas du tout de cela, monsieur. Il s'agit de rétablir un équilibre qui a été détruit. Mais pourquoi accorder un équilibre à quelqu'un ou à un pays dont vous dites ce que vous venez de dire ? Mais c'est ça qui est extraordinaire. Parce que ce déséquilibre permet à Israël. En d'autres temps, on aurait vu offrir à Hitler l'arme nucléaire parce que la France l'aurait eue.
pour rétablir un équilibre. La question ne se posait pas. Non, mais elle ne se posait pas, mais on pourrait le dire. Hein? Vous faites exactement comme Guy Mollet, vous comparez... Tiens. Oui, Guy bon, Mollet. Parce que Guy Mollet comparait Nasser à Hitler. Oui, ouais. Bah, il n'y avait pas, pas oui, tout le temps. Oui, il n'y avait pas le temps. Bon, bah, Mein Kampf se vend très bien dans les pays arabes, vous savez ça. Et en Turquie, en particulier. Enfin, traiter Nasser de Hitler, c'était vraiment très approprié. Pour nous, ça l'était. Oui, tout à fait. On peut comprendre, puisque, en effet, les armes qui alimentaient le FLN en Algérie veulent passer par l'Égypte. Bah, bien sûr. On peut comprendre que les Noirs réagissent. Et je vous citerai, parce que je l'ai mis dans mes livres sur la guerre d'Algérie, tous les tracts de la voix de l'Égypte et la voix des Arabes concernant la présence... qui souille la terre d'Afrique du Nord, des chrétiens. Est-ce que vous rendez compte de ce que vous dites, que Nasser est comparable à Hitler, était le nouvel Hitler. Il est mort, alors il n'y a plus de nouvel Hitler. C'était à l'époque, dans le Bush, le Guy Mollet, de Médène, et il fallait l'abattre. Oui. D'accord. Oui. Alors, messieurs, c'est une confusion totale. Messieurs, nous arrivons à la fin de cette deuxième partie. Vous n'étiez pas en guerre, et nous, oui. Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie. Pas d'ailleurs, tout à fait. Et donc, est-ce que je pourrais relancer un petit peu Georges Clément sur le fait que, après son retrait de cet accord de Vienne, alors Trump se retire en mai 2018. Les États-Unis. Les États-Unis, mais c'est Trump qui se retire. En novembre 2019, M. Rouhani, donc le président iranien, annonce reprendre ses activités d'enrichissement d'uranium. En janvier, donc, M. Trump fait exécuter le général Soleimani. Oui. Donc, n'a-t-il pas tout perdu, puisque justement, l'assassinat de ce général a galvanisé le nationalisme iranien, et en plus, l'Iran a repris son enrichissement d'uranium. Donc, il a tout perdu sur les deux tableaux. Permettez-vous de poser une question. Vous allez répondre. Galvaniser le nationalisme iranien. Alors, attendez. Soleimani est tué. Il y a, je ne reviens pas sur les causes de Soleimani, parce qu'il y en a. Oui. Passons. Les Iraniens répliquent sur des camps et des bases en Irak américaines. Trump minore les pertes, maintenant on le sait, pour couper court à toute surenchère de sa part. Et les Iraniens abattent l'avion ukrainien. Par erreur. Oui. Non, mais, attends, je ne vous ai pas dit qu'il avait exprès. J'ai dit abattre l'avion iranien, ukrainien. Et que font les Iraniens qui résistent tant aux qui deviennent tant nationalistes, ils descendent dans la rue, non pas pour soutenir les Américains, mais pour hurler à cause du fait qu'on a abattu l'avion ukrainien. Oui. Alors, ils ne sont pas si attachés que ça. Le nationalisme des Iraniens existe, je le connais. Mais il n'est pas celui du chiisme tel qu'il gouverne actuellement l'Iran. Voilà. Alors, Philippe Simonot, après la pause, va avoir l'occasion de vous répondre, cher Georges Clément. Messieurs, je vous rappelle que notre but ici, comme toujours à TV Liberté, c'est d'éclairer nos téléspectateurs qui, pour politique et économie, sont nombreux. C'est en effet l'information que nous avons eue, Pierre. Et nous nous en réjouissons et nous les remercions de leur confiance. Maintenant, ce que nous voulons, c'est faire avancer le débat, que les noms d'oiseaux restent sur leur perchoir. – Ah mais les noms d'oiseaux, ce n'était pas pour M. Simonot, c'était pour Obama. – Bien entendu, messieurs. Mais encore une fois, puisqu'on parle d'équilibre géopolitique, nous allons reprendre sur un certain nombre d'autres acteurs, et notamment l'Arabie saoudite. Parce que que fait-elle dans cette affaire? Et j'aimerais poser la question après la pause à Philippe Simonot, mais Georges Clément, si vous avez une réponse à faire aussi sur l'Arabie saoudite, elle sera faite. Sur l'Arabie. Pause. Oui. Chers téléspectateurs, voilà un dossier bien complexe. Mais j'aimerais entendre Philippe Simonot sur l'Arabie saoudite, parce que celle-ci est très liée aux États-Unis, mais jamais à ce point, me semble-t-il, depuis que le plan de paix établi par Trump pour les Palestiniens
s'est avéré, disons, un texte léonin. Oui. Alors, quel est le jeu de l'Arabie saoudite dans cette affaire ? Qui est l'ennemi juré de l'Iran, nous le savons. Est-ce que je peux revenir deux secondes sur Nasser, parce que, Nasser. Voilà. Ça, Nasser, vous est resté là. Oui, parce qu'il y a des contresens historiques qui ont des conséquences terribles. Faire des contresens historiques comme ce qu'il a été fait par Guy Mollet et compagnie en 1956 a eu des effets terribles. Pourquoi ? Parce que pendant que nous bombardions le Caire, nous avons bombardé le Caire. Oui. Pendant ce temps-là, Khrouchtchev donnait l'ordre à ses troupes d'envahir la Hongrie. Laissez-moi terminer. Et Khrouchtchev hésitait beaucoup à faire ça, parce qu'il avait révélé les crimes de Staline. Oui. Et Mao Tse-tung était là encore. Oui, bien sûr. Et il le poussait, il dit... C'est idiot d'avoir révélé les crimes de Staline. En tout cas, terminez avec ça, parce que si vous ne matez pas la révolte hongroise, ça va champignonner et vous allez tout perdre. Et les Chinois ont toujours reproché, d'ailleurs, aux Russes d'avoir perdu la main et d'avoir finalement abdiqué. Mais pendant que nous faisions ça au Caire... – qu'on bombardait le Caire... – Khrouchtchev avait toutes les excuses pour régler l'affaire hongroise. – Et ce qu'il a fait. – Ce qu'il a fait, dans le sang. Oui. Dans le sang. Et ceci, je pèse mes mots, et cette opération de Suez a permis à Khrouchtchev de faire ça, et a retardé, on peut dire. Parce que si la Hongrie tenait, la Pologne se révoltait, la Tchécoslovaquie se révoltait, a retardé de 20 ans la chute. La chute du mur de Berlin. Non, mais là on est dans la politique fiction. Non, pas du tout, monsieur. Relisez-moi. Alors, je reviens, s'il vous plaît, Jean sur le calendrier. C'est criminel. Oui. Georges Clément. Enfin, exagérons. Georges Clément. Si Hitler est abusivement accolé à Nasser, ce qui est vrai aussi, parce que Nasser, c'est quand même pas Hitler, ça, je vous l'accorde. Ah, merci. Non, pas dans ce que vous croyez, mais enfin, les armées nassériennes n'avaient rien de l'Afrika Korps. Il ne s'agit pas du tout de ça. Admettons. Alors, je reviens sur le calendrier. Le calendrier, si vous voulez, opération de Suez et Budapest. Parce que Budapest est en deux temps. Un, bien avant, c'est une semaine avant, en fait, avant l'opération de Suez et après. Bon, parce que vous savez bien qu'il y a eu une première révolution à Budapest de jeunes étudiants et ouvriers, qu'il y a le retrait des troupes russes. Oui. Et que ce n'est qu'après qu'elles sont revenues. Elles sont revenues au moment où nous bombardions le Caire. Attends, messieurs, je ne vous laisserai pas finir pour la raison suivante, mes chers amis. C'est que nous sommes quasiment hors sujet. Car il faut que nous revenions... Alors, la thèse de Philippe Simonneau, c'est qu'en effet, ça a permis la violence de Khrouchtchev. Vous n'êtes pas d'accord. Cela étant, revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet, c'est-à-dire le plan de paix sur la Palestine. Celui-ci est un accord léonin. Je l'ai dit. Que pensez-vous de ce jugement, Philippe Simonneau ? Il semble bien que l'Arabie saoudite soit, je serais un peu vulgaire, mais soit comme cul et chemise avec la diplomatie américaine. Et pourquoi, d'après vous ? L'Arabie saoudite a peur. Là, je suis d'accord avec monsieur Simonneau. Elle a peur pour deux raisons. L'Arabie saoudite, première raison, elle a perdu son pouvoir pétrolier. Tout à fait. Absolument. La deuxième raison, c'est que l'Arabie saoudite est illégitime à la Mecque. Illégitime. Pourquoi ? La Mecque est tenue normalement par les descendants des prophètes. Ce ne sont pas des descendants des prophètes. La Mecque était conquise, les armes à la main, par Ibn Saud. Vous le racontez très bien dans le siècle Balfour. Alors, un jour ou l'autre, ça va se payer. Donc l'Arabie saoudite est en danger. Elle est en danger aussi, évidemment, parce que son ennemi principal, c'est l'Iran, évidemment. Oui, je suis d'accord. Elle est extrêmement fragile. Alors, vous rendez compte. J'ajouterai. Que la situation économique et financière de l'Arabie saoudite est mauvaise. Oui. Que, deuxièmement, aux États-Unis, il y a eu plusieurs événements concernant le 11 septembre qui se sont déroulés dans les années qui sont passées. Il y a eu d'abord la déclassification des 28 pages du
du rapport de la commission d'enquête sur le 11 septembre qui avait été censuré par Bush, fils, et qui ont été révélés il y a 2 ou 3 ans, enfin c'était à la fin d'Obama encore déjà. Et le Sénat a voté l'autorisation pour les familles de victimes du 11 septembre, la possibilité de, d'aller en justice contre l'Arabie saoudite. Ce qui fait que ce que nous savons depuis longtemps, moi je l'avais mis dans un de mes livres il y a 8 ans, 9 ans, que l'Arabie saoudite a conduit sur le sol américain les opérations des terroristes, et qu'on en a la preuve, et que ce sont des dossiers du FBI et de la CIA. Que cette réalité-là finit par arriver au jour, que ça va se terminer par des procès, que c'est en cours, et que la situation, surtout dans le fait que la dépendance des États-Unis au pétrole d'Arabie saoudite est plus la même, et ça c'est l'objectif de Trump depuis le début, je finis. Philippe Simonneau, s'il allait dans un article, le monde nage dans un océan de pétrole. Oui, mais en plus, il a décidé que les combustibles fossiles seraient utilisés, etc. C'est-à-dire qu'il a pris une décision, et l'utilisation même de réserves stratégiques, en partie, pas seulement. Donc, il a pris la décision de rendre les États-Unis autonome par rapport au reste du monde. Il n'a pas pris la décision, monsieur. L'exploitation des pétroles de schiste date d'Obama. Qu'est-ce que vous racontez? Non, mais attendez, laissez-moi. Non, écoutez, monsieur Simonneau, autant il y a des sujets géopolitiques, je passe un peu dessus, parce que c'est pas non plus. Mais là, je ne suis pas d'accord. Le premier travail de Trump, quand il a été élu, était d'enlever toutes les réglementations environnementales et autres. Mais il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. Mais ne me laisse pas terminer. Enfin, écoutez, je suis désolé, monsieur. Je ne veux pas élever la voix, mais je vais le faire. Ne l'élevez pas. Bon. Si quelqu'un veut l'élever, c'est moi qui vais l'élever. Oui, parlez, je suis d'accord. Parlez, mon cher. Donc, il a permis la utilisation avec des difficultés financières en ce moment. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a des détails. De l'exploitation du charbon, qui avait été quasiment arrêtée par Obama. Le gaz de schiste est antérieur, bon, on est bien d'accord, mais il n'a pas interdit le gaz de schiste, comme beaucoup je d'États. Je ne parle pas du gaz de schiste, je parle du pétrole de schiste. Ah bon. Alors, le pétrole de schiste. L'Arabie saoudite n'a plus le monopole. Voilà. Et elle est dans une situation financière interne difficile. Ça, vous êtes d'accord avec Philippe Simonneau. Oui, bien sûr. Et elle est en plus à risque diplomatique avec les États-Unis à terme. Mm-hmm. Donc, ça lui fait une situation pas brillante du tout. Et alors, c'est pour ça que la question du nucléaire iranien revient, parce que, évidemment, il est aussi, je pose la question à Philippe Simonneau, à usage de l'ennemi sunnite saoudien. Tout à fait. Ça, là-dessus, vous serez d'accord. Mais là aussi, Georges Clément, vous en serez d'accord. Et l'Arabie saoudite craint particulièrement l'enrichissement. C'est pour ça que l'accord auquel nous étions parvenus avec l'Iran était essentiel. Et je ne comprends encore une fois pourquoi Trump l'a déchiré. Je ne comprends pas. Est-ce que l'Iran s'est bien soumise au contrôle de l'AIEA? C'est pas ce qui est dit par les parties américaines. Non, mais que dit l'AIEA? Mais écoutez, le problème, c'est que il y a des gens qui n'écoutent pas ce que disent l'AIEA, comme elle n'écoute pas ce qu'on dit à la COP21, ni qu'on n'écoute pas ce que dit le GIEC, ni même ce que dit l'UNESCO. Alors, si vous c'est comme si vous me parliez encore une fois des problèmes, des objectifs de plan de Staline. Voilà. Hein, c'est pareil. C'était nul et non avenu en matière économique. Et bien là, c'est pareil. L'AIEA n'est pas un partenaire stratégique. Si on revient à Israël... La vie d'Israël est en jeu quand même, tout le temps, depuis 70 ans. Laissez-moi finir. Henry Kissinger a déclaré publiquement le 17 septembre 2012, dans les colonnes du New York Post, que l'État d'Israël ne serait plus viable à l'horizon 2022. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette... Ben 2022, c'est dans 2 ans, mais là, je me méfie, parce que vous avez des gens qui ont décidé, enfin, qui avaient prévu, il y a 10 ans, qu'on serait sous l'eau. Oui. Donc, en 2020, c'était... Ils ont déjà plus de gouvernement, Israël. Non, mais c'est pour vous parler des prédictions de ce type.
Ah ben c'est Henry Kissinger. Non, mais genre, oui, mais en matière Kissinger, de prédiction, il peut faire des erreurs. La prévision, la prévision. Oui, la prévision maintenant, je vous répondrai que l'État d'Israël est un État fragile, non pas intérieurement, sur le plan économique, il est brillant en ce moment, bon. Mais c'est un État fragile géopolitiquement, tout le monde le sait. Donc, qu'il y a un risque... Excusez-moi, un État fragile qui dispose du monopole avec une force nucléaire énorme, vous appelez ça un État fragile? Oui, il est fragile. Ah bon, d'accord. Et il est fragile pour une raison simple, contre laquelle il se bat politiquement, intérieurement, ça, c'est un pas de la géopolitique, c'est qu'il y a autant de gauchistes en Israël qu'il y en a ailleurs, et qu'ils veulent un État pour deux peuples, c'est-à-dire intégrer les Palestiniens non israéliens, parce qu'il y a des Arabes israéliens, dans un seul corpus, chose qui serait alors la disparition d'Israël dans les 10 ans. Oui, mais vous avez remarqué que chez les Israéliens d'origine arabe, il y a eu une très grosse protestation. Plus de 250 000 d'entre eux ont dit « Nous ne voulons absolument pas être intégrés à un État palestinien ». Oui, bien sûr. On peut là inférer de cette déclaration une certaine solidité malgré tout d'Israël. Israël n'est pas un État a une certitude de survie à échelle, à horizon d'un siècle. Philippe Simonneau va vous répondre. C'est une lutte de tous les jours. Pour revenir à la dénonciation de cet accord par Trump. Encore une fois, c'est purement électoraliste. Ah, mais c'est possible, ça, si vous le dites. Ouais. Non, mais voilà, c'est tout. Et on ne fait pas une politique étrangère pour faire plaisir à une portion de son électorat. Tiens, pourtant, il y en a. Je connais des pays qui font des politiques étrangères pour faire plaisir à des portions de leur électorat, y compris ici. Il semblerait que Trump refuse, en tout cas, c'est ce qui se dirait aujourd'hui, d'attaquer l'Iran, en tout cas d'envoyer des troupes. Je parle sous votre contrôle également, Georges Clément. Est-ce que tout risque de guerre est aujourd'hui exclu jusqu'à l'élection présidentielle ? D'abord, Trump est complètement imprévisible. Et deuxièmement, je pense que le fait même que Trump a dit « je n'enverrai pas un seul soldat » est extrêmement dangereux. Mmh. Donc si on envoie des soldats, c'est dangereux, mais si on n'en envoie pas, c'est dire à l'avance qu'on ne réagira que si un soldat américain est atteint, c'est extrêmement dangereux. Oui, mais c'est bien pour ça qu'il a... Parce que ça ouvre la porte à toutes les autres possibilités. Qu'il a triché sur l'adversaire. Ça ouvre les portes, oui. Donc c'est une imbécilité. Alors, monsieur... mais écoutez, M. Simonneau, il est évident que Trump ne fait que des bêtises. C'est un être inintelligent, inculte, et qui n'a aucune capacité d'analyse de son environnement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a réussi à survivre à pratiquement 3 années de coup d'État. Est-ce que, et c'est peut-être, ça sera ma dernière question, est-ce qu'une guerre, alors on pense qu'une guerre en Iran est exclue, mais est-ce que justement une guerre en Irak est possible pour permettre à Trump de réagir aux attaques de l'Iran, notamment, contre ses bases en Irak? Non, je crois qu'il va se retirer des bases d'Irak. Et vous pensez alors, que... Alors, c'est pas le vœu du Pentagone, obligatoirement. C'est pas le vœu d'un certain nombre de... D'ailleurs, vous pensez que Trump va résister aux pressions israéliennes et aux pressions évangélistes jusqu'à l'élection présidentielle? Attendez, pour l'instant, sur l'Irak, les Israéliens ne sont pas prononcés, à ma connaissance. Maintenant que je parle des États-Unis, en 2003, oui, Bolton vient hier, dans une télévision, d'agresser Trump sur l'Iran, sur le sujet de non-intervention. – On retrouve là encore des raisons géostratégiques. Pourquoi les États-Unis ont envahi l'Irak? Souvenez-vous, la fameuse séance… – Oui, des armes de destruction massive. – Des armes, avec photo à l'appui au Conseil de sécurité. Oui. C'est un mensonge pur. – Tout à fait. – Bon. Je peux témoigner à cet égard. Que à ce moment-là, j'ai eu... D'un côté, il y avait Oriana Fallaci, qui est morte maintenant, et qui avait écrit une lettre en disant à Bush, fils, qu'il pouvait aller en Irak, mais qu'il fallait qu'il fasse attention. Enfin, elle mettait en garde. Pour ma part, j'ai eu avec Daniel Pipes des échanges à ce moment-là, où, par écrit, je lui ai dit... Quoi faire en Irak? Attention, parce que où vous faites la France en Algérie, vous y restez, ou vous faites une bêtise. Mais donc, on est bien d'accord, l'histoire de la deuxième guerre d'Irak, franchement,
c'était inutile. C'était, ça n'a servi à rien. D'ailleurs, ça n'a servi à rien. Voilà, un point d'accord, au moins. Lancé par j'étais en relation à l'époque avec un agent secret israélien qui m'a juré, entre quatre yeux, que ces armes existaient. Ah non, mais attendez. Voilà. Non, je ne dis pas qu'elles n'ont jamais existé. Considérable. Là, je dis que le on fait même d'y aller, c'était... On sait aujourd'hui qu'elles n'ont pas existé. Tout le monde le sait. Oui. Ah ouais, tout le monde le sait, c'est établi. Monsieur Colin Powell n'a pas été inquiété pour ses mensonges. Mais j'ai jamais pensé, moi, que c'était à cause de ça qu'ils y allaient. Hein. Oui. Non, bien sûr. Alors, messieurs, une dernière question. Ils y allaient pourquoi, alors? Alors, ils non, y allaient, attendez, c'est, alors, une, pourquoi, c'est bien une question. À mon avis, il n'avait même pas de plan, Bush. Je m'explique. J'ai cru, à un moment donné, qu'ils allaient faire de l'Irak un porte-avions au milieu du Proche-Orient, oui. Israël ne leur suffisait pas. Il en fallait un porte-avions plus grand. Vous disiez que c'était bon pour Israël tout à l'heure, ces guerres de déstabilisation du Moyen-Orient. Oh non, mais moi, je n'ai jamais dit ça. C'est vous qui dites. Moi, je ne l'ai pas dit. Là, aujourd'hui, je ne l'ai pas dit. Et je ne l'ai jamais dit. Il me semble que je ne l'ai même jamais écrit. En tout cas, Israël était très favorable à l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Il n'était pas contre. Oui, bon, peut-être. Mais je ne suis pas dans la politique israélienne tous les jours. Je ne peux pas répondre. On parle de les, on parle des États-Unis. Oui, oui. Ce que je sais, c'est que pour les États-Unis, la seule logique était on a affaire à un État dangereux, Saddam Hussein. Bon, c'était pas faux quand même. Oui. Il était plus faible que ce qu'on nous a raconté, le quatrième armée du monde, enfin, passons. Oui. Mais il était dangereux. Mais je m'installe là au prétexte X et j'en fais une base avec des canons vers l'Iran, vers l'Arabie saoudite, qui avait fait le 11 septembre quand même. Alors on pouvait penser que les services secrets et que Bush était au courant. Hein. Et voilà. Mais c'était dangereux. Et pour ça, il fallait une politique égale au moins en conception à celle de la France en Algérie en 1830. Alors, et on n'en était pas là. Donc c'était une erreur de le faire. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Messieurs, vous avez parlé, Georges Clément, je vais donner la parole à Philippe Simonneau. Est-ce que vous avez un mot de conclusion? Moi, j'aurais une question qui fâche à vous poser. Eh bien, mais posez la question. Je la pose. Est-ce qu'on peut être hostile à la politique d'Israël sans être accusé d'antisémitisme? Bien sûr. Alors, les livres de Philippe Simonneau témoignent que, évidemment, il connaît bien l'histoire d'Israël, il en parle, sans aucun antisémitisme. Je pense que vous êtes sur cette position, vous aussi, Georges Clément. Bien sûr, mais si vous voulez, je suis occidental, et pour moi, Israël est un pays occidental de pointe. Donc, c'est une question de logique personnelle. Oui, excusez-moi, vous fragilisez Israël en disant ça. Je suis désolé. Pourquoi dire que c'est un avant-poste. Mais c'est un avant-poste. L'Occident. C'est évident. Ouais. C'est fragilisé parce que ça veut dire que l'Occident continue à avoir besoin d'avant-poste au Proche-Orient. Mais c'est une évidence. Quel est l'empire ou quel est l'ensemble d'États fédératifs qui n'a pas besoin de marche? Mais quelle est la menace? Mais c'est une erreur. La menace, elle vient de partout. Nous sommes un empire, monsieur. On le reste dans l'âme. Jamais un seul pays d'Europe occidentale, et les États-Unis avec, ne s'est relevé de Rome. Ils vivent Rome. Ils ont des temples comme palais. Ils ont le Capitole. Ils ne se sont jamais relevés de cela. Et ils ont fait des empires à partir d'eux-mêmes dès qu'ils ont pu. Donc, si je vous comprends bien, Charlemagne, Napoléon, etc. C'est un fait. On peut le nier, mais c'est un fait. Donc nous sommes dans une forme de néocolonialisme, alors. Mais si on veut, mais attendez, c'est pas moi qui vais critiquer le colonialisme. Ni le romain, ni le français. Philippe Simonneau. Je vous laisse cette formule, elle me convient. Pas pour la prouver, mais en effet, Israël est néocolonial, en effet, on peut le dire. Et d'ailleurs, on voit bien comment il se comporte dans les colonies, entre guillemets. Ouais. Écoutez, il se comporte dans les colonies comme on est obligé de se comporter en pays hostile. Voilà, ouais, bravo. Terminé. Très bien. Ben, messieurs, c'est certainement pas... C'est un aveu. Nous vous avons fait faire des aveux. Oui. Messieurs, j'espère que nos téléspectateurs auront pu se faire quelques lumières sur cette question si complexe. Mais en tout cas, permettez-moi de vous en remercier. Je remercie Pierre aussi. Merci, Olivier. Et, chers téléspectateurs, eh bien, à une très prochaine fois...
On recommencera certainement des débats. Avec plaisir. Nous avons des sujets à débattre, bien d'autres. Et puis, messieurs, chacun dans votre parti, vous avez des choses à dire. Et vous serez les bienvenus sur le plateau de Politique Économie. À très bientôt. –